viennent ces influences mystérieuses qui changent en découragement notre bonheur et notre confiance en détresse? On dirait que l'air invisible est plein d'inconnaissables puissances dont nous subissons les voisinages mystérieux. Je m'éveille plein de gaieté, avec des envies de chanter dans la gorge. Pourquoi? Je descends le long de l'eau et soudain, après une courte promenade, je rentre désolée, comme si quelque malheur m'attendait chez moi. Pourquoi? Est-ce un frisson de froid qui, frôlant ma peau, a ébranlé mes nerfs et assombri mon âme? Est-ce la forme des nuages ou la couleur du jour, la couleur des choses si variables qui, passant par mes yeux, a troublé ma pensée? Sait-on? Tout ce qui nous entoure, tout ce que nous voyons sans le regarder, tout ce que nous frôlons sans le connaître, tout ce que nous touchons sans le palper, tout ce que nous rencontrons sans le distinguer, a sur nous, sur nos organes et, par eux, sur nos idées, sur notre cœur lui-même, des effets rapides, surprenants et inexplicables. Exposé. T'es prête? Ouais, je pense, oui. Bon, c'est toi. T'as bien révisé, non? Ouais, il y a ça, j'ai tout révisé. Ça doit se passer nickel alors. Y'a pas de soucis. Inquiète. Bah, je pense que si tu poses des questions, bah, ça se passe un peu. Non, moi je pense que ça voudra dire que c'était intéressant. Ça les a intéressés. Enfin voilà, qu'ils ont bien aimé. J'espère. J'ai envie d'aller. Non mais il y a l'exposé des Sia, t'as oublié? Moi c'est parti. Eh frère, on sort de Joule ce soir. Allez, ouais, cool. C'était qui ça? Ah!
Je vais laisser la parole à Essia qui va vous présenter aujourd'hui un exposé sur la littérature du 19e siècle. Je vais vous présenter Le Horla de Guy de Maupassant, qui a été écrit en 1886. C'est un conte qui est écrit sous forme de journal intime. Migraine et beaucoup de troubles. Il va même en mourir en 1893. T'aurais pas d'autres œuvres du même style à me donner parce que c'est super intéressant. Il a écrit plus de 300 nouvelles aux côtés de du Horla, donc il y a de quoi lire. La psychologie du personnage m'intéressait pas mal. Ça fait combien de temps sur ton exposé ? Ça doit faire plus de 2 semaines que je suis dessus. Ils sont pas tout seuls ces gens-là. C'est un peu... Je pensais que ce serait mieux. C'est quoi le Horla ? Un monstre. T'en penses quoi, toi ? Parce que moi, j'ai rien compris. Il est un peu fou, non ? Vraiment pas net. Si t'es fait comme ça, m'a gonflé. Et avec tes amis, ça se passe bien ? Et avec ta famille ?